स्वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः. Dans une atmosphère estivale, je commence à me documenter sur les différentes associations en me centrant davantage sur des structures relativement grandes. Oui, allô, bonjour monsieur, je vous appelle pour un renseignement. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous proposez des missions de bénévolat sur des courtes durées, s'il vous plaît? Non, je suis vraiment désolé, nous ne proposons pas ce genre de mission. Bon, eh bien c'est pas grave, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah, des missions d'enseignement. Et ouais, mais c'est trop cher. Toujours pas le type de mission que je veux. Au fil du temps, je commençais à désespérer de ne toujours pas retrouver une association qui correspondait à mes critères. C'est pourquoi j'ai opté pour une nouvelle méthode, surfer sur un forum. En lisant les premiers messages, j'ai d'abord pensé que je perdais mon temps, car je trouvais plus de messages de personnes qui expliquaient leurs problèmes que de messages apportant des solutions. Néanmoins, à force de chercher, j'ai fini par trouver un message particulièrement intéressant. L'association recherchait des bénévoles pour une mission en Inde du Nord dans un bidonville. Pour moi, il était impératif que cela se déroule en Asie. La première condition était ainsi remplie. Cette association demandait aux bénévoles de travailler dans un bidonville et les confrontait ainsi à des problèmes liés à la misère, à la santé, à la malnutrition, à la non-sociabilisation et à l'analphabétisation. C'est un second point que je recherchais. Enfin, le type de mission correspondait exactement à ce que je recherchais. Soutien scolaire, donc en lien avec mes études, et activités ludiques. Je pouvais donc me servir de mon expérience acquise en centre de loisirs pour cette mission. Séduite par ce message, j'ai donc regardé comment prendre contact avec l'association pour obtenir plus de renseignements. Après un entretien téléphonique avec la directrice et des recherches sur la fiabilité de l'association, j'ai finalement opté pour Gayatri. La première étape était alors franchie, mais restait à s'occuper du financement. C'est pourquoi je me suis intéressée à la possibilité d'obtenir des subventions. Oui, bonjour. Je viens puisque j'aimerais bien réaliser du bénévolat en Inde cet été. Et je ne savais pas du tout si c'était possible d'obtenir des subventions pour des projets de ce type. Hein? Ben, c'est simple, donc vous êtes au bon endroit. Mmh. C'est-à-dire au bureau de la vie étudiante, on fait de l'accompagnement au projet. Donc on prendra rendez-vous spécifiquement par rapport à votre projet. Et ensuite après, au niveau technique, il faut faire un dossier d'élaboration qui va respecter les grands critères du FSDE, à savoir le cofinancement. Il faut que vous trouviez d'autres partenaires financeurs. En l'occurrence, il peut y avoir le CROUS qui peut financer ce genre de projet. Mmh. Et ensuite, il faut penser aussi que le FSDE, c'est des projets qui sont faits par les étudiants, mais pour les étudiants. Donc dans ce sens, il faudrait un partage d'expérience suite à votre action en Inde. J'avoue qu'après ce premier rendez-vous, je n'étais pas vraiment motivée pour organiser une quelconque retombée de projet. C'était surtout l'aide financière qui m'intéressait, et plus particulièrement le voyage en lui-même. La réservation du billet d'avion était donc capitale pour moi, mais elle a été réalisée seulement en novembre, car je voulais être sûre de mon choix d'association et de mes moyens financiers. Vous comprendrez donc mon sentiment de soulagement au moment de réserver. Mais j'étais pas seulement soulagée, j'étais aussi super excitée. Au moment où je tapais Marseille-Delhi, je m'imaginais déjà assise dans l'avion, poser mes affaires dans la maison, et hop, je me voyais déjà travailler à l'école. Bon, en réalité, la suite des événements ne s'est pas tout à fait passée comme ça, mais ça, vous vous en rendrez compte par vous-même plus tard. Pour le moment, découvrons plutôt le résultat de la commission FSDIE. J'allais enfin savoir si mes efforts avaient été récompensés. Oui? Non? Vivement que j'ai la réponse pour que je sois fixée. Malheureusement, le verdict était sans appel. J'ai le regret de vous faire savoir que la commission sociale d'établissement du 27 novembre 2009 n'a pas donné une suite favorable à votre projet. Déçue, j'aurais pu en rester là.
Mais étant déjà beaucoup investi dans le projet, j'ai décidé de ne pas lâcher prise, choix qui n'a pas toujours été facile à gérer. Au fur et à mesure que le concours approchait, j'avais tendance à travailler de plus en plus dans le cadre de l'UEFM. Néanmoins, je m'étais déjà bien trop investi dans le projet de bénévolat pour tout arrêter. Ne pouvant me résoudre à faire un choix, j'avais tendance à travailler de plus en plus tard. Je commençais donc par faire mes devoirs de l'IUFM, puis, au moment de me coucher, je me disais « Allez, juste un petit quart d'heure pour continuer le projet. » Mais lorsque je travaillais dessus, je ne voyais pas le temps passer, si bien que j'en arrivais à me coucher vers minuit. Au moment de m'endormir, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver deux sentiments contradictoires. Un sentiment de satisfaction d'avoir avancé mon projet, mais aussi un sentiment de culpabilité d'avoir empiété sur le temps de préparation au concours. Pour autant, ces efforts ont fini par être récompensés. J'ai finalement obtenu les subventions, et cela s'en ressent sur le budget financier. Pour vous en convaincre, voilà un petit récapitulatif des différentes sources de financement. Bon, d'accord, on peut compter sur la générosité de la famille. Mais bon, ça ne fait pas tout. Reste alors la solution des subventions. Après beaucoup de travail, voilà le chèque du FSDIE. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voilà le chèque de Culture Action. Quant à moi, j'ai payé le billet d'avion. C'est bon le cantillé, paré pour le décollage. Oui, le décollage c'est bien beau. Il faudrait quand même pas oublier de faire sa valise. Hein. Et pas si facile que ça quand on va faire rentrer 30 kg dans une valise devant contenir seulement 20 kg. Mais bon, après une bonne heure de casse-tête, on finit par arriver à fermer cette foutue valise. Cette fois, on est parti pour de bon. Ces paysages vous donnent envie? Alors, accrochez-vous car c'est seulement un aperçu. En effet, partir en Inde, c'est avant tout découvrir une culture très différente de la nôtre. Sentiment un peu déroutant au début, mais auquel on se fait vite. En effet, on prend très vite goût à se faire faire sur mesure les tenues. Trop génial cette impression d'être une star. Un peu sceptique sur la cuisine indienne au début, mais une fois qu'on a goûté au samosa, on n'a qu'une seule envie, c'est d'en manger un second. On finit même par apprécier la conduite indienne. Et incroyable mais vrai, les klaxons marseillais sont silencieux à côté de celui-là. Un autre charme de l'Inde, ce sont les animaux qu'on croise au quotidien. Eh oui, chèvres, cochons, chiens, vaches, singes, vous ne manquez dans ces pauvres rues marseillaises. Vous l'avez bien compris, par sa simplicité et son authenticité, l'Inde est un pays qui peut en charmer plus d'un. Néanmoins, c'est aussi un pays où les contrastes sociaux sont très forts, d'où un certain sentiment de malaise lorsqu'on passe des quartiers riches aux allées de mendiants. La vie en Inde, c'est bien beau, mais il ne faudrait quand même pas oublier qu'on était là pour l'association Gayatri, qui travaille avec des enfants issus d'un bidonville. La précarité des conditions de vie de ce milieu se manifeste de différentes façons. D'abord, par la qualité de l'habitat, des abris d'environ 5 mètres carrés pour 5 à 7 personnes, protégeant peu de la pluie et offrant ainsi des nuits peu reposantes. En ce qui concerne l'alimentation, elle est pauvre et très limitée. Face aux problèmes de pauvreté rencontrés, les mesures d'hygiène restent secondaires, d'où le nombre important d'infections et de maladies. L'objectif principal est d'accompagner les élèves jusqu'à leur entrée dans la vie active. Pour cela, ces derniers sont inscrits dans une école privée, dont les cours se déroulent le matin.
L'après-midi, ils viennent à l'association pour du soutien scolaire. Pooja, peux-tu nous expliquer ce qu'on fait à Gayatri? Ok, pour les études, c'est clair. Et par ici, peux-tu nous en dire plus? I study. I do his homework. I do his homework. I like good manners. Les activités sont avant tout centrées sur l'éducation. Une enseignante indienne se charge de l'île. Quant au travail des bénévoles, il consiste à réaliser du soutien scolaire en mathématiques et en anglais. Mais au fait, Ankit, t'aimes bien travailler avec les bénévoles? Yes, I like to work volunteers. Si le soutien scolaire est une priorité pour Gayatri, elle ne s'en contente pas. Elle tient compte également des problèmes propres à un milieu d'envie dans les activités proposées. Elle fournit par exemple systématiquement un goûter le plus diversifié possible, même si les bananes restent le goûter favori de ses bouts de choux. Par ailleurs, des champagnes anti-poux sont organisés régulièrement. Et c'est parti! Démêlage, opération périlleuse, on frotte en limitant difficilement les shampoings dans les yeux, on rince et c'est fini! Comment en français peut-on enseigner de l'anglais à des Indiens? Au final, pas si difficile que ça. En effet, naturellement, on se sert de la gestuelle, des expressions du visage et de l'intonation. Joue énormément le feeling, comme nous le montre Alex. Make a sentence. Think about the subject. Who are we talking about in the sentence? First, then the verb, then the detail, and then the rest. Les petites astuces sont aussi bien pratiques. Pour en savoir plus, il suffit d'observer Ambre, professeur d'anglais à l'œuvre. Yes, okay. Where is between? Yes, good. Yes, good. Yes, very good. Et voilà, en l'histoire de quelques étiquettes et de petits mimes, Artie devient collable sur des prépositions et verbes d'action. Ah là là, ces petits Indiens, ils sont trop forts. Mais qu'en est-il de leur capacité de concentration au travail? Je me suis rendu compte que leur capacité de concentration n'était pas énorme. Cela peut poser des problèmes à des bénévoles qui n'ont pas l'habitude, comme nous l'explique Adrien. J'ai trouvé ça plutôt compliqué de savoir mobiliser l'attention des élèves tout au long d'un cours en fait. Au début, bon, ça va, on lance que 2-3 exercices, ils restent concentrés, mais au bout d'un an, enfin, comme tout élève, et puis nous aussi on a connu ça quand on était petits, on se dissipe. Grâce à ces difficultés, des petites astuces sont parfois bien utiles, telles que varier les activités. Par exemple, il est possible de faire des lignes d'écriture, puis colorier des chiffres, travailler sur des cartes de l'alphabet, et enfin faire un coloriage bilan. Il est aussi intéressant de proposer des supports ludiques. Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo naha prachodayat. Travailler dans une association induit peu de moyens matériels qui peuvent être déstabilisants au début, n'est-ce pas, Ambre? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matériel avec lequel travailler. C'est une différence énorme, on n'a ni table, ni chaise, ni matériel pédagogique. Juste des feuilles, quelques petites ardoises. À cette difficulté s'ajoute la mousson. En effet, lorsqu'il pleuvait, nous étions contraints de tous travailler à l'intérieur. Le manque d'espace, de calme, de luminosité n'est alors pas toujours facile à gérer. D'ailleurs, je vous laisse en juger par vous-même. Oh oh! Zee Branch, mais on se trouve quoi? C'est pourquoi Adrien avait opté pour une nouvelle méthode, originale mais efficace. Mais lui, j'ai été craqué. Bon, vous l'avez bien compris, les conditions du travail restent assez sommaires.
Pour autant, les enfants ont fait de beaux progrès, et pour s'en rendre compte, il suffit de comparer leurs résultats scolaires avec les autres enfants de l'école privée. Alors, les élèves sont arrivés il y a maintenant un peu plus d'un an. Et lorsque l'on compare les notes avec les anciens élèves qui sont à cette école privée depuis 3 ans, qui sont des élèves qui ne rentrent pas en compte de l'association Gayatri, on s'aperçoit qu'ils les ont déjà dépassés et que nos élèves peuvent être aussi les trois premiers de la classe. Rochin ne fait partie de ces petits génies. Il est second de sa classe de niveau équivalent au CE1 en France. Un grand bravo à toi. Les résultats sont donc encourageants, mais les enfants ne devront pas s'en contenter, car ces bouts de chou ont déjà de grands projets. N'est-ce pas, par des I would like to become a steward. Quelles ont été vos premières impressions arrivées en Inde? Arrivé en Inde, on se sent vraiment tout de suite très dépaysé. Dès que les portes de l'avion s'ouvrent, en fait, on est pris à la gorge avec la chaleur, l'humidité, les nouvelles odeurs. Sinon, Delhi, c'est une ville assez étouffante. Il y a une folie qui se crée autour de nous. On est le centre d'intérêt de tous les Indiens, que ce soit dans la rue, dans les restaurants. Donc c'est assez difficile à vivre au début, et puis après on s'acclimate au temps, on s'acclimate à la langue. Arrivé à deux, a-t-il été un réel soutien? Alors pour ma part, oui, ça a vraiment été un soutien pour différentes raisons. Tout d'abord par rapport à l'avion, puisque pour ma part c'était la première fois que je le prenais. Et bon, c'est quand même bien rassurant de se dire, bon voilà, on n'est pas seul, c'est un problème, on peut se soutenir. Et ça a été surtout rassurant au moment où on est arrivé en Inde, puisque là, on se retrouve directement confronté à une nouvelle culture, avec des gens qui ne parlent plus du tout de la même langue. Et c'est vrai que, je me rappelle, je disais souvent à Flo, t'es mon point de repère, parce que c'était vrai, quoi. Pour moi aussi, c'était un petit peu ça, ce repère, parce que c'était complètement nouveau, quoi. La seule personne que je connaissais, c'était Pascal. C'était mon point de repère par rapport à la maison. Quels ont été les aspects les plus difficiles du bénévolat? Alors pour ma part, c'était le tout début. Au début où on est arrivé, où on a commencé à être bénévole, moi au début j'avais beaucoup de mal parce que je ne savais pas trop comment faire. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre avec les enfants. C'était pour moi ça le plus dur. Puis j'avais pas l'impression d'être vraiment utile. Au début, ce qui est difficile, c'est aussi quand on se remet beaucoup en question, on se dit mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est bien ce que je fais? En plus, on n'est pas du tout à l'aise parce que on ne connaît pas les enfants, on ne connaît pas leur niveau, et puis on a des conditions de travail, je veux dire, très limitées. Et c'est vrai que c'est pas évident à se faire, c'est pas évident à s'habituer avec ces conditions de travail. Et en fait, c'est après, quand on prend l'habitude, qu'on commence à être plus à l'aise et pour ma part à vraiment apprécier ce bénévolat. Quels ont été les aspects les plus plaisants du bénévolat? Ce qui m'a le plus plu dans le travail de bénévole, c'est le contact avec les enfants. Ils arrivent quand même tous les jours avec le sourire, avec la pêche, avec l'envie d'apprendre. Voir ces enfants progresser grâce aux bénévoles, c'est vraiment, on en tire vraiment satisfaction. Ensuite, ce qui m'a quand même beaucoup plu, c'est de rencontrer vraiment des enfants issus d'un milieu complètement différent, et puis bon, issus d'un milieu quand même assez pauvre, même très pauvre. Qu'avez-vous retenu de ce voyage? Les paysages complètement nouveaux, une manière de vivre tout à fait différente de la vie européenne, et des gens avec une autre manière de penser. Ce qui m'a moi le plus marqué aussi, c'est le contact avec les gens. Et plus précisément, au niveau de l'association. Les enfants, qu'on sait qu'ils ont des problèmes sociaux, etc., et puis qui arrivent toujours avec un sourire, et qu'on sent que bon, malgré leurs difficultés, ils arrivent à progresser, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a fortement marqué dans le bénévolat. Moi, ce qui m'a marqué aussi, par exemple, Pardesi, et il arrivait à communiquer avec nous en anglais alors qu'il connaissait, avec ses mots à lui, il arrivait à tout nous faire sentir. Quoi. Mmh. Et ça, c'était... Chapeau. Et plus largement, Pascal, qu'as-tu retenu de ce projet?
Alors, de ce projet, ce que je retiens, c'est que c'est un casse-tête, que ça maintient une grosse pression, mais c'est surtout pas que ça que je retiens. C'est aussi l'idée que ça nous oblige à nous mettre dans une position de recherche, et je pense que toute cette démarche va nous être utile par la suite pour d'autres projets, pas forcément dans le bénévolat, pas du tout. Et puis, une fois que le projet est terminé, ben, je ne sais pas comment en le dire, mais on obtient vraiment une satisfaction. On se dit, ça a été dur, mais voilà, j'ai réussi, j'ai fait ça, et puis ça nous va vraiment nous marquer dans le bon sens, je pense. Svaha tat savitulvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat.